que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour un thème un peu inhabituel sur cette chaîne par rapport à tout ce qui est livre, puisqu'on va parler de jeux de société et plus spécifiquement les 5 jeux de société auxquels j'adore vraiment jouer pour la période de l'automne-hiver. Et si cette vidéo vous plaît, je vous ferai du coup une autre sélection pour le printemps-été. Ça, c'est le plan de base. Alors, je préfère le dire tout de suite. J'avais envie d'amener quelque chose d'autre un petit peu, que les livres sur cette chaîne, et quand une envie me prend, souvent je la saisis. Mais je ne suis absolument pas la personne la mieux placée pour vraiment expliquer tous les jeux. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un petit récap, une description complète des règles. Je vais juste vous parler du but du jeu, vous dire ce que j'aime bien dans ce jeu en particulier, etc. Et c'est surtout pour vous donner un peu une petite sélection des livres que j'ai... des jeux que j'ai chez moi, parce que vraiment à l'automne et l'hiver, j'adore passer des soirées jeux de société en amoureux avec mes amis, ma famille, etc. Et du coup je l'avais vu passer cette vidéo, je pense, chez Louise de Rêve ta vie en lecteur, où elle faisait aussi parfois des petites sélections comme ça, parce que pareil, elle en est friande. Et autant je pense que ce ne sont pas non plus les jeux les plus rares, je sais pas comment le dire, mais à mon avis il y a des titres que vous connaissez déjà de votre côté aussi. Mais en tout cas c'est ceux qui y a chez moi et que vraiment avec lesquels je joue encore assez souvent. Et donc c'est de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et donc on va attaquer tout de suite cette sélection du jour, de la saison, de saison, etc. Et puis let's go. Le premier jeu qui m'est venu en tête quand j'ai voulu faire cette sélection, c'est automne-hiver, c'est clairement la période où je regarde mes marathons Harry Potter. Alors certaines années je fais même toutes les semaines en gros l'automne et l'hiver, alors que ce soit officiellement ou suivant les dates que moi j'attribue un petit peu, on se rapproche plus des premiers. Je mets du coup à chaque fois un film par semaine quand je fais le marathon donc Harry Potter. Et je profite aussi du coup de cette période-là pour jouer à ce jeu-ci, donc c'est Harry Potter, une année à Poudlard, donc si on met que c'est 7 ans et plus, c'est 1 à 8 joueurs, ça c'est assez chouette parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de jeux, on sait jouer à autant, mais du coup il faut prévoir beaucoup de temps. Et pour le temps c'est effectivement entre 20 et 45 minutes, franchement les 45 minutes on peut taper à 1 heure, voir si on est à 8 joueurs, je pense qu'on peut passer à 1 heure et demie facilement. Donc voilà, moi c'est des jeux, ça ne me dérange pas du tout de passer ma soirée à ça, passer une après-midi en famille à ça, etc. C'est souvent des jeux aussi où je vais devoir jouer plusieurs fois avant vraiment de m'approprier les règles, de commencer à comprendre un peu les astuces entre. Mais clairement des jeux Harry Potter, c'est mon chouchou, mon favori, je l'avais demandé une fois à Père Noël. Et j'étais très heureuse après de l'avoir reçu, d'avoir pu y jouer. Là ça fait un petit moment donc je vais bientôt demander à mon entourage de refaire quelques petites parties. Et pour le petit résumé qui est la rare, qui m'a donné envie, outre le fait que c'était Harry Potter, on nous dit une année à Poudlard. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes accepté au Collège de Poudlard, la plus grande école de sorcellerie du monde. Au cours de votre scolarité, vous apprendrez à maîtriser les sortilèges et les potions nécessaires pour combattre les forces du mal et vous aurez l'immense honneur de participer à la Coupe des 4 Maisons. Pour remporter la partie, vous devez gagner le plus de points de la Coupe des 4 Maisons face aux élèves de Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard en accomplissant vos missions dans Poudlard et ses environs. Affrontez les élèves lors de combats en duel ou les ennemis de vos cartes mission et utilisez vos cartes sortilèges et potions pour améliorer vos attaques et vous défendre. Pour réaliser vos missions, rendez-vous dans le lieu indiqué sur votre carte mission avec les jetons correspondants que vous aurez récupérés sur le plateau en combattant l'ennemi de la mission. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs, en équipe ou chacun pour soi. Incarnez vos héros favoris, Harry, Ron, Hermione, Luna, Neville, Drago, Ginny, etc. Les trois modes de jeu vous permettront de choisir la meilleure expérience de jeu possible selon l'âge des joueurs, le temps de la partie souhaitée ou encore de revivre tous vos passages préférés de la saga. Vous pouvez revivre toute la saga avec les 30 cartes mission, les matchs de Quidditch et la troisième mode de jeu, le retour de Voldemort. Faites revenir Lord Voldemort si vous incarnez les Mangemorts ou détruisez les 7 Horcruxes si vous incarnez le héros.
Donc voilà, c'était pas dans le même sens. Donc voilà, ça c'est pour bah, du coup le but du jeu. Comme vous l'avez entendu, il y a vraiment plusieurs possibilités de jouer bah, à ce gros gros jeu. Dans le sens où effectivement, on peut intégrer ou non certaines parties. Déjà, c'est un des seuls jeux que j'ai, je pense, où je peux jouer toute seule, si l'envie m'en prend. J'avoue que j'ai jamais testé l'option, mais bah, mon mari ici est militaire et va repartir du coup un moment en mission, etc. Et je me dis que ce serait l'occasion aussi de tester bah, du coup ce petit côté-là, ce petit mode. Moi pour l'instant, j'y ai joué toujours à chaque fois dans l'option élève, école, etc. Avec accomplir les missions, je vous montrerai un petit peu plus l'intérieur. Et pareil, je n'ai jamais fait partie à ce jour où j'incarne les manges morts. Parce que je suis pas une team serpentard, moi je suis de la team poufsou, donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vais vous montrer tout de même, bah pareil, l'intérieur. Hop. Qui, grosso modo, se présente du coup comme ceci, donc c'est bah, sur un jeu de plateau. Où on a bah, du coup comme une carte du maraudeur et on voit bah, du coup toutes les petites zones, la forêt interdite, les différentes maisons, là au cours des potions, des escaliers, des tours, etc. etc. Et donc bah, toutes les petites cases pour avancer tout au long du jeu. S'ajoute à ça aussi ce petit plateau ici où on sort du coup de Poudlard pour aller bah, du coup à Préolard. Et donc pareil, on a Flurrybots, Gringotts, le Chaudron Baveur, Ollivanders, etc. etc. qui bah, du coup nous fait sortir de ce premier plateau. Et pareil, on a un deuxième plateau ici supplémentaire où c'est bah, du coup, vous voyez, le stade de Quidditch. Et pareil, ça, je n'y ai jamais joué. Honnêtement, parce que pareil, c'est toute une partie spécifique à ce jeu, un peu comme s'il y avait une partie un peu extension, bonus ou quoi qu'on fait en parallèle. Et bah, le temps de m'habituer au jeu, etc., bah, c'est pas que j'ai déjà tout testé, donc bah, je me réserve ça pour la suite aussi. Pour ce qui est des fiches personnages, bah, du coup, vous voyez, donc bah, y a ceux que j'ai cités. Je prends par exemple Luna, on dit à chaque fois, bah, pareil, les résistances, le nombre d'attaques avec les dés, etc. Pareil, on a à chaque fois. Bah, pouvoirs spécifiques du coup à chaque bah, à chaque personnage voilà à chaque participant, donc ça on choisit au début. Et bah, pareil ici on a des cases pour ranger bah, les cartes des petites missions, parce que bah, du coup l'intérêt en fait aussi de ce jeu et ce qui fait qu'il est aussi travaillé. Bon déjà c'est, vous voyez, il y a un tout plateau, le nombre de personnages, le nombre de possibilités de jouer, etc. Donc on sait qu'on est déjà sur un niveau bah, de jeu de société pour adultes. Voilà, c'est pas, c'est pas le premier que je vais vous conseiller, c'est pas le Trivial Pursuit version bah, voilà, Harry Potter ou quoi que j'ai reçu une fois aussi. Voilà, il est quand même beaucoup beaucoup plus complexe. Et chaque personnage en fait va recevoir des cartes missions et donc aura une mission et un but différent. Bah, des autres joueurs pendant la partie, et c'est ça qui rend le jeu du coup hyper hyper intéressant, parce qu'il faut vraiment garder en tête bah, ses objectifs tout en jetant un œil sur ceux de bah, ses adversaires, et c'est pas toujours toujours évident. Et alors bah, donc je vous parlais ici des différentes missions pour vous donner un ordre d'idée. J'en ai sélectionné ici par exemple les trois premières où on aurait par exemple le choix entre récupérer la prophétie. Et donc pareil, on a toutes les directives qui vont avec. On aurait fuir Aragog. Voilà, on est dans le thème clairement ici d'Halloween. Ou alors faire fuir le loup-garou. Pareil, on est toujours un peu dans le thème. Et suivant bah, du coup ce qu'on tire, ça nous ramène des points différents. Donc la prophétie, ce serait 200 points. Aragog, c'est 40. Le loup-garou, c'est 70. Et pour ça, à chaque fois, on a besoin de récupérer bah, différents objets sur le plateau aussi qui vont être un peu éparpillés sur le chemin. Donc ici on aura besoin d'une baguette magique, ici forcément on va récupérer la boule de la prophétie, et ici bah, pour faire Aragog pardon, on a besoin bah, de la voiture. Et donc toutes ces missions, et franchement il y en a voilà, il y en a un bon paquet, sont vraiment tirées des différentes scènes, voilà, des films et accessoirement aussi bah, des livres.
Et donc on retrace vraiment toute l'histoire de tous les Harry Potter, des moments vraiment clés, etc. Il n'y a vraiment aucun élément qui n'est laissé de côté. Et ça aussi c'est un élément que j'aime vraiment beaucoup, 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 où c'est pas juste de dire j'utilise le nom Harry Potter pour faire vendre, etc. Non, vraiment, il y a toujours une réflexion derrière, une certaine logique. Et je trouve ça super chouette en fait de pouvoir se replonger dans l'histoire à travers ce jeu de société. Si je dis pas de bêtises aussi, en cours d'une partie, il est possible, pareil suivant le niveau qu'on prend, de réaliser du coup plusieurs quêtes. Et il y a pareil différents moyens, donc soit le nombre de quêtes, soit le nombre de points ou d'autres choses, de gagner une partie. Et donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte, sur lesquels on peut essayer de jouer. L'un va parier sur cette partie-là, l'autre sur une autre, etc. Et donc ça rend le jeu hyper riche, hyper intéressant. Il y a beaucoup beaucoup d'échanges, il y a quand même moyen de aussi mettre quelques entraves à ses adversaires, etc. C'est pas juste chacun pour soi, évidemment. Et donc voilà, je trouve ça super chouette. Et puis en dehors de ça, évidemment, on a aussi des petites cartes. Je vais reprendre ici un exemple. Avec par exemple un livre ici, c'est Vadrouille avec les ghouls, qui nous donne... un rendez-vous à tel endroit si on réussit à arriver, etc. avec d'autres points. Ou alors, ici, on a sortilège, je vois ici pour transplanage, pareil pour aller d'une case à l'autre. On a aussi des événements, donc je vois ici, c'est sur la salle sur demande, tous les personnages doivent se rencontrer à tel endroit, peu importe où ils sont sur la carte, où ils en sont près de leur mission ou quoi. Et pareil, il y a des combats qui sont organisés avec des points, des cadeaux, etc. Potion, ici c'est un bézoar, pareil qui va nous permettre d'aider pendant les combats ou quoi. Et voilà, donc je trouve que le jeu est vraiment regroupe hein, toutes les petites miettes, parcelles, etc. Qu'on retrouve vraiment dans Harry Potter, autant dans l'histoire, dans l'interaction avec les personnages, dans les péripéties, le visuel forcément aussi, vu que toutes les scènes sont à nouveau illustrées sur les cartes, sur les personnages, sur le plateau, etc. etc. Et vraiment, je le trouve hyper complet, et je pense que même si on n'aime pas le côté Harry Potter, c'est un jeu qui peut vraiment plaire à beaucoup beaucoup de gens, en partant du fait, de l'idée de la base, que ils aiment aussi jouer à des jeux de société, qui sont un peu habitués à des jeux plus complexes ou quoi. Mais franchement, tous les jeux Harry Potter que j'ai fait, c'est vraiment celui-là qui survole tous les autres. Alors c'est un petit budget, je l'ai plus en tête, et surtout que je l'avais demandé pour Noël, donc je l'ai pas payé moi-même, donc ça m'a vraiment marqué. Mais voilà, je sais que la plupart des jeux que je vais vous proposer, on est sur des bases de 40€, et celui-là ça m'étonnerait pas qu'on soit plus sur 50, 60€ ou quoi. Mais il y a vraiment moyen de faire tellement, tellement, tellement de parties différentes et de s'occuper pendant tellement de temps que moi ça ne me dérange pas de sélectionner certains jeux à des budgets plus élevés. Et franchement, celui-là, si je dois en recommander que un sur Harry Potter, c'est lui, parce qu'il est tellement, riche, il est tellement dense, etc. Il est tellement fidèle à l'univers de base que juste c'est un plaisir, un régal d'y jouer. Donc clairement, là, au moment où sort cette vidéo, on arrive tout doucement vers l'automne, officiellement. Et du coup, vraiment, je me délecte de pouvoir le ressortir de mes armoires et de prévoir quelques petites parties, quelques jeux, enfin, heures de jeu avec ce jeu, ce plateau, etc. Et donc, d'autant que dans mes amis, il y a pas mal de fans, donc je trouve ça très 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 chouette. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter est pour moi un incontournable, pareil, de l'automne. Qui dit automne dit pareil Halloween, les grands méchants, les machins, les trucs sombres, etc. Et là c'est vraiment les méchants que je vais mettre à l'honneur avec celui-ci. Donc c'est Villainous. C'est un jeu de Disney, je pense que vous le connaissez, qui met en avant les vilains, des méchants de Disney, que chaque personne, pareil, va pouvoir incarner. Et pour la petite présentation, on nous dit « Entrez dans la peau de l'un des six plus célèbres méchants de Disney. Suivez votre propre objectif diabolique pour gagner le titre de pire méchant de tous les temps. Pour y parvenir, utilisez astucieusement vos capacités spéciales et tentez de ruiner les plans de vos adversaires. » Car ce n'est qu'en dictant avec succès vos règles aux héros de Disney que vous pourrez espérer
une fin malheureuse. Alors dans celui-ci, donc c'est le coffret de base, les méchants qui s'y trouvent c'est Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, Ursula, le prince Jean et la reine de cœur. Et pareil, ça me perturbe qu'il soit pas dans mon sens. Et pareil, ça a été vraiment une excellente surprise. La première fois que je l'ai joué, je pense que c'est chez une amie, chez Lisa, je crois. Et quand on a proposé un jeu Disney, je vous avoue que moi je m'attendais à un niveau relativement facile, un jeu assez enfantin, pas prise de tête, etc. etc. Et en fait c'était beaucoup plus pareil, poussé, technique, un jeu pour adultes, etc. Que ce que j'avais en tête. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très chouette dans cette série. Et pareil, je parle de série parce qu'en fait, il y a plein d'extensions qui existent. Bah, chez moi ici, vous allez voir, j'en ai deux. Donc pareil que je demande souvent en cadeau. Et donc j'ai Villainous Mauvais jusqu'à l'os et Villainous Cruellement Infect. Dans celui-ci, on a Hadès, le docteur Facilier et la méchante reine. Et ici, c'est à nouveau dans le mauvais sens. J'ai Patibulaire, Cruella d'Enfer et la mère Gothel. Et donc voilà, pareil, j'adore pouvoir switcher d'un personnage à l'autre, voilà, suivant mes envies, suivant les préférences des Disney, des gens, etc. Et voilà, vraiment, on peut vraiment facilement prendre une extension et juste prendre le personnage qui nous intéresse pour jouer avec le jeu de base. C'est pas qu'on doit installer 20 000 cartes en plus, faire des sélections, des tris ou quoi comme dans notre jeu. Non, juste là, grosso modo, on va juste sortir en fait la plaque qui correspond du coup au méchant qu'on a sélectionné. Et pareil, le petit tas de cartes qui lui correspond. Et puis c'est tout. Le reste, je peux le laisser dans la boîte hyper facilement. Et vraiment, voilà, pouvoir mélanger dans tous les sens comme l'envie m'en prend. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et alors donc pareil, pour vous quand même montrer l'intérieur du jeu de base ici. On a comme sur celui que je viens de vous montrer, à chaque fois en fait donc le personnage avec à chaque fois la partie qu'on aura devant soi où on va jouer, poser ses cartes, etc. Et pareil, outre la beauté du coup de ces planches, moi j'aime vraiment beaucoup le travail qu'il y a qui est réalisé sur les différents pions. Donc pour vous montrer un exemple, ici je vais avoir Maléfique, ou alors ici on va avoir Ursula, hop, la petite reine de cœur, celui de Crochet, et ainsi de suite. Donc vraiment pareil, même sur cette partie-là, il y a un travail qui est très chouette. Et comme je vous disais, en fait, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse incarner ces méchants, mais surtout qu'on puisse jouer un Disney, en fait, qui soit aussi développé, où c'est pas juste le côté gentil et enfantin qu'on peut avoir sur 20 milliards de jeux pour enfants, forcément sur ces dessins animés là. Mais voilà, on sait qu'en grandissant, souvent on apprécie toujours autant les Disney, parce que voilà, en tout cas les anciens films ont différents niveaux de lecture ou quoi, et donc parfois en étant adulte, certains qu'on aimait moins enfants, on les apprécie davantage, etc. Et donc de pouvoir trouver un jeu de société de Disney, où on prend vraiment plaisir à y jouer quand on est quand on est adulte, moi je trouve ça très chouette. Il y a un côté régressif du jeu qui marche très bien, et en même temps un côté vraiment pareil cognitif qui est hyper développé, actif. On doit avoir des yeux partout, un peu du coup comme je vous disais avec le précédent de Naine à Poudlard. Chaque personne, donc, participant et joueur, ont un objectif totalement différent. Et donc, pour vous donner un exemple, ici, par exemple, plus concret aussi, l'objectif d'Ursula, ce serait qu'au début de son tour, elle ait le trident et la couronne, du roi Poséidon, qui doivent se trouver dans son repère. Pareil, sur le plateau, on va voir, différentes parties qui correspondent, par exemple, à nouveau à chaque lieu, du dessin animé. Donc on va avoir son repère, on va avoir la plage, on va avoir un bateau, on va avoir une partie chariot, etc. Pour la reine de cœur, ici on va nous dire qu'il faut placer un arceau sur chaque lieu et réussir un coup royal. Et donc là on est plus axé sur la partie du croquet où on la voit présente dans le film.
Et donc pareil, il y a tout un système de quand tu passes en dessous de certains arceaux, certains doivent se plier comme les cartes qu'on doit retourner avant que ce soit validé, etc. Et ainsi de suite. Ou alors encore, comme le capitaine Crochet, ici on doit forcément éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger. Et du coup, pour atteindre l'objectif, on nous donne plusieurs choses à faire. On doit trouver la carte du pays imaginaire pour pouvoir trouver et retirer le cadenas qu'il y a sur l'arbre du pendu. Comme dans le dessin animé, tant qu'il n'a pas réussi à le localiser, il ne sait pas accéder à ce lieu, etc. Et donc faire la suite. Il doit forcément aussi trouver Peter Pan, ça c'est logique. Et pareil, à ce moment-là, le placer sur l'arbre du pendu. Et il doit aussi à un moment, déplacer Peter Pan de l'arbre du pendu vers forcément... d'abord la lagune aux sirènes, puis le rocher du crâne, et ensuite le Jolly Roger. Et puis une fois que Peter Pan se trouve sur son bateau, là il peut du coup tenter de l'éliminer. Donc vraiment on suit le dessin animé, on suit des scènes, etc. Et j'adore pouvoir rejouer un million de fois en ayant à chaque fois une mission différente, en suivant du coup dans ma tête un peu la même idée qu'Harry Potter, les scènes du dessin animé, qui est vraiment une logique, que ce soit vraiment authentique par rapport aux histoires de base. Ça, j'aime vraiment beaucoup cet aspect. Et pareil, on peut mettre du coup pas mal de bâtons dans les roues. J'ai oublié comment on appelait ça dans ce jeu là. C'est pas une malchance, c'est une malédiction, je ne sais plus exactement le mot, à ses adversaires. Et donc on a beau prévoir 36 coups à l'avance, quand ça nous tombe dessus, faut vraiment régler cette histoire avant de pouvoir recontinuer, etc. Mais c'est très 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 chouette à jouer. C'est un bon mélange entre jeu de cartes, jeu de plateau, etc. Et je l'aime vraiment beaucoup, et je suis toujours tout de loin les extensions qu'il y a. Qui sortent régulièrement, et c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. Et pareil, un dernier point que j'ai pas dit, c'est que j'aime vraiment aussi beaucoup l'aspect que peu importe le personnage qu'on joue, l'extension qu'on joue, etc., même si toutes les missions en fait sont complètement différentes, hein. Je pense aussi par exemple au Prince Jean, où lui son but c'est d'être hyper riche et donc de gagner un maximum de sous, donc on pourrait se dire que c'est beaucoup plus rapide que passer par X étapes ou quoi. Peu importe qui on joue, et peu importe l'objectif, on va tous mettre le même temps en fait à réaliser nos missions. Et je trouve ça très 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 fort en fait de la part des créateurs, des développeurs. Parce que ça demande vraiment beaucoup de jugeote de prendre ça en considération, de se dire ok, il faudra au final normalement autant de temps chacun, en comptant aussi qu'on va recevoir des manus, etc. entre temps, et que vraiment j'ai déjà fait une vingtaine, une trentaine de parties de Vellinius, et à chaque fois en fait quand j'arrive au dernier tour ou inversement avec quelqu'un d'autre, les autres participants sont à un tour max 2 de gagner aussi, donc on est vraiment au coude à coude, c'est vraiment la guerre, etc. Faut vraiment être hyper au taquet, attentif aux autres, au jeu des autres, parce que vraiment à chaque fois c'est hyper proche au niveau des situations, peu importe ce qu'on est en train de faire, et c'est suffisamment bien fait pour devoir être souligné. Donc j'aime beaucoup aussi cet aspect, et c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. Ensuite, le troisième jeu que je vais vous présenter, là, on est quand même plus proche de ce qu'on trouve dans ma bibliothèque, et je suis en train de réfléchir, mais vous ne le voyez pas, ils sont dessus. C'est un jeu de société qui est tiré d'un univers littéraire que j'ai dans ma bibliothèque, puisqu'il s'agit de celui-ci, donc Vampiria Courtisan, qui est tiré de Vampiria de Victor Dixen. Je vous en ai déjà parlé, bien évidemment. C'est chez 404 éditions, et je réfléchissais à partir de combien de joueurs est-ce qu'il était mis. À partir de 14 ans, et je ne sais plus le nombre de joueurs qui sont possibles. Je vois 6 rôles cachés, donc à mon avis c'est maximum 6. Ouais, je pense. Et pareil pour le résumé, le pitch, on nous dit: à la cour de Versailles, Louis XIV s'est transmuté en vampire et règne en despote absolu. Chaque année, une compétition a lieu entre les jeunes nobles mortels pour accéder à la faveur suprême, devenir écuyer du roi des ténèbres.
Dans les coulisses, les courtisans aguerris misent sur leur aspirant favori afin de se servir de leur propre intérêt et tous les combats sont permis. Dans ce jeu de société à identité secrète, incarnez un courtisan frondeur, loyaliste ou ambitieux et agissez dans l'ombre pour sauver le roi, le détruire ou le maintenir en position de faiblesse afin de protéger vos privilèges. Au cœur d'un Versailles vampirique, saurez-vous reconnaître vos alliés et vous protéger de vos ennemis ? Telle est la question. Alors en vrai ici je triche, parce que je l'ai offert à ma meilleure amie, pareil, pour son anniversaire je pense. Et je savais que bah, chez moi je n'allais pas avoir tant d'amateurs que ça, voilà, parce que incarner un rôle mystère c'est pas forcément... leur dada dans ma famille ou quoi, parce qu'ils ne connaissent pas l'univers forcément de Vampiria, et donc je savais que j'allais toujours bah, jouer avec ce groupe d'amis là, et donc je lui ai filé et s'y réemprunté pour l'occasion. Et pareil, je vous montre bah, du coup l'intérieur, vous l'aurez compris. La question est de savoir et de deviner si les autres sont effectivement des frondeurs, des loyalistes, est-ce qu'ils sont pour ou contre le roi, est-ce qu'ils veulent le maintenir en vie ou pas du tout. Le plateau est assez petit, hop. Et il se présente, je le mets dans mon sens, comme ceci. Il m'a un peu fait penser à Cluedo, je vous avoue. Voilà. Et à chaque fois, donc, on a un petit pion. Ici, on est en neutre. Certains vont gagner quand à la fin, il sera en neutre. Ici, bah, quand on veut tuer le roi ou à l'inverse, le défendre, je pense. On a bah, différentes parties, pièces, etc. Et c'est pour ça que ça me fait penser à Cluedo, qui bah, représente des salles de Versailles, évidemment. Ah, et ici, bah, du coup, la chambre du roi qu'on retrouve bah, du coup, dans l'histoire. Bien évidemment aussi, on va pouvoir bah, incarner les héros qu'on retrouve dans la saga. Et donc, on va retrouver Diane de Castefish. Alors, j'essaie de vous montrer plus près parce que les dessins, pareil, ils sont canons. J'ai oublié qu'ils les avaient faits, mais canon, canon. Raphaël de Montesugno. Ou encore, ici, Prospérine... Castelcliff, j'ai oublié son nom, tiens. Et donc il y a à chaque fois les petites cases, pareil avec bah, du coup tout ce qu'on va miser sur eux, où ils en sont dans leurs échelles, dans leurs quêtes, etc. Et on a toute une série de petites cartes aussi avec tout ce qu'ils vont utiliser pour pouvoir bah, avancer dans leurs quêtes, se développer, etc. On a des épées vampiriques. Des saignées subites qui vont bah, contre eux, évidemment. Des cartes de double jeu, parce que mon dieu, qu'est-ce qu'il y a, des alliances, des jeux de pouvoir, etc. Une gigue sans repos, ça, si vous avez le livre, vous l'avez peut-être encore en tête aussi. Je vois ici une faveur de la Dame d'Imrak, donc c'est par rapport bah, au tome 2. Et donc voilà. Et pour aussi bah, le déroulement de cette partie, ça se passe en 3 étapes, si je ne dis pas... 4. En 4 étapes, parce qu'on nous dit pour la mise en place, la chambre mortuaire constitue le cœur du château de Versailles, forcément. C'est là où le roi des ténèbres s'éveille chaque soir de son froid sarcophage de marbre. À l'issue des épreuves de la gorgée du roi, l'aspirant vainqueur se retrouve seul avec le souverain dans sa pièce. Mais pour accéder jusqu'à cette chambre, il y a donc 4 étapes. On va avoir d'abord l'art courtois, l'art équestre, l'art de la conversation et l'art martial. Et pareil, ben, on le sait par rapport à l'univers, au livre, au personnage que voilà, on connaît déjà si on a lu les bouquins. Ben, chacun a voilà, plus de facilité avec telle ou telle partie. Certains, voilà, vraiment, je pense que c'est Raphaël, avait vraiment une affinité avec les chevaux. D'autres, ça va être dans vraiment ben, voilà, les combats d'épée. La conversation, ben, voilà, pour ceux qui sont plus discrets, plus sournois, ou ce genre de choses. Et donc pareil, ça correspond ben, du coup au personnage qu'on va sélectionner au début. Alors ben, ici, forcément, on n'est pas obligé d'avoir lu les livres et de connaître l'univers pour pouvoir y jouer à nouveau. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de références et on nous prête quand même une bonne partie, je trouve, de ce côté-là, de ces clins d'œil qui apportent vraiment le petit plus bah, à ce jeu. Et je pense que, ben bah, voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que ça vous intéresse un minimum de pouvoir bah, allier les deux entre livres et bah, du coup jeux de société, toujours au même titre qu'Harry Potter ou quoi. Et donc, bah, là, pour Vampiria, je trouvais que c'était une super bonne idée de la part de Victor Dix. Parce que, voilà, l'ensemble de ces personnages bah, sont toujours, toujours dans cette réflexion de jeu de pouvoir, de côté sournois, de faux semblants, de machin. Et du coup, dans un jeu de plateau
où on ne sait pas qui joue quel rôle. C'est genre hyper évident en fait que ce soit lié. Donc c'est très 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 chouette. Et pareil, je pensais qu'il serait beaucoup plus simple que ça la première fois que j'y ai joué. Après franchement, en deux parties, c'est bon, tout le monde avait compris autour de la table comment ça allait fonctionner ou quoi. Mais voilà, si vous aimez ce genre de jeu habituellement, style un saboteur ou... comment il s'appelait lui un mascarade, je crois, ou ce genre de choses. Voilà, vous devez cacher votre identité ou quoi entre deux. Et que, ben voilà, on s'est seulement trouvé par rapport à vos actes, aux alliances, où on devine entre deux ou quoi. Ben voilà, c'est une très 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 chouette alternative. Et du coup, je suis contente de pouvoir la présenter aujourd'hui. Ensuite, on va partir sur un jeu qui est, somme toute, assez classique. Alors, c'est pas Cluedo, parce qu'en vrai, celui-là, je l'aime pas trop. C'est celui-ci, donc c'est Risk... C'est à partir de 10 ans et c'est de 2 à 5 joueurs. Et clairement, on est sur un jeu... Décidément, ils font toujours à l'envers. On est sur un jeu de guerre de territoire classique. Voilà, on se fait clairement la guerre, on fait la bataille pour pouvoir gagner tel ou tel territoire. C'est vraiment un incontournable, il existe en mode junior ou quoi. Mais j'avoue que j'aime bien le ressortir pareil au moment de l'automne ou quoi. Je sais pas, parce que j'aime bien aussi simplement les jeux de territoire, que j'en ai pas 100 000 en fait dans ma bibliothèque. Et qu'avec mon mari, pour le coup, on peut y jouer à deux et que le plateau est énorme. Mais en gros, c'est une grosse carte du monde. Hein. Hop. Comme vous le voyez. Voilà, on a tous les continents. On a à chaque fois, pareil, différents pays. Encore, c'est même pas... C'est plus des régions. C'est plus des régions, ouais. Ah, quoi que non. Bon, on a un peu de tout. On a mis pays et mis régions, on va dire. Et en fait, le but, pour le coup, est très très simple. Puisqu'on va avoir X pions, je vais vous montrer, qui sont des pièces pions qui représentent, ici j'ai chopé des canons, mais on peut avoir tout aussi bien genre des petits soldats et ainsi de suite. Enfin juste, on a sa petite armée en fait devant soi, qu'on répartit, j'en mets autant dans telle région, j'en mets plus, là-bas j'en mets juste un, deux, parce qu'au moment ils vont pas être trop attaqués, etc, etc. Et pour expliquer tout simplement, en fait, on dit « Sur le champ de bataille de risque, tout peut arriver. Constituez votre armée et menez vos troupes à la gloire dans ce classique de jeu de combat de stratégie. » Clairement, c'est dit. « Mais ne baissez pas votre garde, on ne sait jamais qui pourrait comploter contre vous. Le monde appartient aux audacieux, mais l'êtes-vous assez pour gagner ?» Donc pareil, on a à chaque fois des petites missions secrètes pour nous dire « Ok, tu vas devoir attaquer telle zone. » T'emparer de tel continent, de telle région et ainsi de suite. Et donc on va déplacer au fur et à mesure nos petites troupes, attaquer souvent avec des lancers de dés, etc. Donc c'est assez facile franchement comme règle par rapport aux autres. Pour ceux qui invitent des gens qui aiment les jeux de stratégie sans forcément devoir expliquer les règles pendant une heure, celui-là, je pense qu'en même pas 10-15 minutes, tout le monde a compris, c'est emballé, c'est pesé. Et c'est vraiment un classique en fait de la bibliothèque, mais je vous dis, moi c'est un classique qui est resté finalement, parce que pareil, si j'ai envie de moins réfléchir sur un jeu ou quoi, je peux le mettre plus facilement sur la table en disant écoute, on ferait pas ça simplement aujourd'hui, et puis voilà. Et en vrai, j'aime bien aussi ce jeu parce que du coup, je vous disais, on s'est joué en duo. Et l'air de rien, mon mari, qui est militaire, je vous le disais, aime vraiment bien ce côté jeu de stratégie, ce côté petit soldat, guerrier, etc. Il y a un petit côté régressif quelque part aussi. Franchement, l'air de rien, il y a parfois eu certaines parties où, même si ça paraissait très simple, il y a quand même pas mal de tensions, de petites frictions où vraiment... on charriait l'autre au possible, on larguait, etc. Donc il y a vraiment toute l'ambiance du jeu autour qui vient très facilement. Et même si il a vraiment rien d'exceptionnel non plus, je trouve que c'est une valeur sûre. Et pareil, il l'avait reçu pour son anniversaire, je pense, dans une version qui existe de Game of Thrones. Pareil, c'est la carte de Westeros.
Mais je vous avoue qu'on n'y a jamais joué. Mais genre vraiment jamais. Alors qu'il était fan et que j'ai regardé toute la série aussi. Et donc l'idée, le principe était chouette. Hein. C'est un peu le même système ou quoi. D'étendre son territoire, de prendre la conquête, de devenir le roi. Voilà. du trône, etc. Mais donc voilà, je sais qu'il existe plusieurs variantes aussi, autres que le format junior, mais au final on joue qu'avec celui-là, et je sais pas, je me vois pas m'en séparer, et ben, comme on fait quand même beaucoup de jeux pareils, de batailles vraiment pendant l'automne, je trouvais que c'était ben, un bon classique à vous ressortir, parce que ben, pareil, on fait beaucoup de jeux de guerre, comme je disais, moi en général je lis souvent des livres sur la Première ou Deuxième Guerre mondiale, plus ou moins au moment de l'armistice. Et en fait, je fais pareil au niveau des jeux de société, où je vais faire des jeux de combat. Par exemple, on a aussi Mémoire 44 ou quoi, qui explique vraiment là, des batailles sur... Enfin, des batailles qui sont vraiment passées à différents endroits, voilà, en Europe, en Amérique ou quoi. Et ouais, celui-là, je sais pas. J'avais envie de vous le sortir en cette sélection parce que vraiment... c'est vraiment le jeu de stratégie qu'on peut ressortir un millier de fois. Et c'est pas celui où forcément toutes les parties vont me marquer beaucoup plus, mais à chaque fois je passe un excellent moment. Et donc bah, je vous le conseille aujourd'hui. On arrive enfin, je pense, au dernier jeu. Je pense que cette vidéo va être très très longue en vrai. J'ai un petit peu peur. Je sais pas dans quoi je me suis lancée, j'ai l'impression que ça fait 20 000 ans que je suis en train de vous parler. Mais bref, le dernier jeu que je vous recommande, donc j'ai dit que c'était une section ben, de mon côté pour l'automne et l'hiver. Et pareil, le jeu que j'aime vraiment ressortir au moment de l'hiver, c'est tout con, mais c'est celui-ci, donc c'est Les Aventuriers du Rail, et là c'est l'édition Scandinavie, c'est un peu comme si je disais une extension. Et je dois pas vous expliquer beaucoup plus que ça de pourquoi je le mets toujours en hiver. Alors j'ai celui de base en Europe que je joue pas tout le temps, mais vraiment s'il y en a un que j'aime ressortir pendant les vacances de Noël, c'est celui-là. Et là, si vous ne connaissez pas, évidemment il est encore dans le sens, ce sera définitif. Le jeu donc nous dit, avec les aventuriers du rail Scandinavie, traversez le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Visitez les grandes cités populaires de Copenhague, Oslo, Helsinki, Stockholm, découvrez des merveilleux fjords norvégiens et admirez les paysages de montagne depuis le chemin de fer de Rona. Respirez l'air marin des ports de la Baltique grouillant d'activité. Traversez la verte campagne danoise, autrefois occupée par les Vikings. Montez à bord des trains finlandais qui vous emporteront au-delà du cercle polaire, au pays du soleil de minuit. Les Aventuriers du Rail Scandinavie, c'est une nouvelle version du célèbre jeu Les Aventuriers ferroviaires. Les joueurs utilisent leurs wagons pour prendre possession de tronçons ferroviaires et parfois franchir des tunnels ou embarquer à bord d'un ferry, reliant peu à peu les grandes villes des pays nordiques. Ce jeu a été conçu spécifiquement pour 2 ou 3 joueurs, contrairement au jeu de base où on s'est joué à beaucoup plus. Je pense que c'est à 6, enfin beaucoup plus, au double quoi. comme toutes les versions des Aventuriers du Rail, c'est un jeu riche, simple et élégant, dont les règles s'apprennent en 5 minutes, ça c'est vrai, et qui apporte des heures de plaisir et de bien-être aux familles qu'aux joueurs, ainsi qu'aux joueurs plus expérimentés. Et c'est clair que c'est pour ça que c'est un incontournable de ma bibliothèque, c'est que si vraiment j'ai envie de jouer à un jeu de société, mais que vraiment mon cerveau il est naze de chez naze en fait, et que j'ai le choix entre genre lire c'est trop compliqué, donc entre regarder une série, un film, ou jouer à un jeu très facile, je vais prendre celui-là en fait. Si je veux juste jouer à un jeu de société et juste pas trop galérer, pour le coup là on peut faire même avec des enfants, etc. Je vais prendre Les Aventuriers du Rail, c'est obligé, c'est d'office. Et donc, comme toujours, si vous ne l'avez jamais vu, hop, je vais poser ça parce que pareil il est très grand. Le plateau, bah, c'est la carte bah, que je viens de vous décrire pour le coup. C'est pas évident. Et qui regroupe ben, la carte comme ça avec les petits trajets de couleurs qui vont d'une ville à l'autre. Le but excessivement simple, c'est qu'on reçoit 3 destinations au début. Je prends par exemple les 2 ben, ici qui me viennent en main directement. Par exemple, si on devrait aller de Helsinki à Östersund, et ça nous rapporte 8 points parce que c'est un petit trajet. Ou ici, de Stockholm à Bergen, c'est aussi un petit trajet, c'est 8 points, mais il y en a qui peuvent faire jusqu'à 20, 25, etc. Suivant, ben, plus ils sont longs, plus ça rapporte des points.
Et pour passer bah, du coup d'une ville à l'autre, vous l'avez vu sur la carte, il y a des trajets de couleurs qui correspondent du coup à des petits wagons que je vais vous montrer. Hop, donc grosso modo, vous avez les petits voilà, wagons comme ça à chaque fois de couleurs différentes. Qui sont, il y en a 5 qui sont devant vous, vous en avez en main et vous devez collectionner bah, par exemple pour un trajet de 4 verres, 4 cartes vertes. Une fois que vous les avez, vous pouvez les poser et mettre vos petits wagons du coup à ce moment-là, hop, dessus. Pareil, qui correspondent à la couleur bah, des joueurs. Et le but c'est de faire bah, sous les X tours, je pense que c'est 10 tours, je ne suis plus sûre. Enfin, sur le nombre de tours total, de faire un maximum de trajets complets pour avoir un maximum de points. Et puis pareil, on compte à la fin, en plus de, du nombre qu'il y a sur les cartes, bah, chaque rangée de wagons correspond à un nombre de points. Suivant que bah, c'est un petit trajet de 2, on retire les wagons, c'est par exemple 2 points. Il y aurait un trajet, je sais pas, de 5, ce serait, on retire, ce serait genre 20 points. Enfin, ça, il est marqué en dessous. Et on calcule tout ça. Et évidemment, ben, les autres participants ne savent pas en fait quels sont nos trajets, ça on les garde secrets. Et donc évidemment, à un moment sur la partie, on va devoir passer par les mêmes endroits et donc bloquer les autres. On va devoir faire des détours, ça va prendre plus de temps ou juste à un moment ça devient impossible à faire. Et donc là on râle bien dans son coin. Et juste, c'est tout. C'est juste ça le principe du jeu en fait. Et c'est pour ça que c'est juste hyper facile, hyper accessible. Et en même temps, les parties durent bien une demi-heure, 45 minutes, une heure ou quoi, si on est un peu plus. Ou même pas une heure, je dirais. En vrai, max 45 minutes, je pense. Et donc, pareil, c'est facile d'en faire 2, 3, voilà, d'affilée, en faisant une belle revanche ou quoi. Et juste, j'adore ce jeu, en fait. À chaque fois que j'y joue, je suis contente d'y jouer. Je passe un bon moment. Après moi je suis une très bonne perdante, comme mon mari est un très mauvais gagnant. Ça va dans les deux sens, mais juste voilà, si vous n'y avez jamais joué, franchement testez-le au moins une fois. Pour moi c'est bah, plus que risque encore, vraiment un incontournable à avoir bah, du coup chez soi. C'est c'est le nouveau Monopoly, le truc. Enfin non, c'est pas dans le même genre, mais vraiment pour moi c'est vraiment une base à avoir. Et donc je ne me voyais pas faire cette vidéo sans vous le proposer à un moment, et encore moins la partie Scandinavie pour l'hiver. Et juste voilà, c'est tellement simple, on peut le faire avec des enfants, on peut le faire avec des personnes plus âgées, on peut le faire avec les gens qui aiment les jeux de société, ceux qui les aiment moins, etc. Et juste voilà, c'est juste un jeu qui est très facile à ressortir. C'est pas celui qu'on doit voilà, quand on n'y a plus joué depuis un an, comme serait le cas par exemple je pense pour Harry Potter, bah, je dois me remettre dedans, je dois relire un peu les règles ou quoi, et sinon je peux le ressortir n'importe quand et juste c'est bon, hop, je peux le démarrer en moins de 5 minutes. Et à la limite je vais ouais, juste vérifier, ok, on avait combien de cartes en main au début, et puis c'est tout en fait. Du coup voilà, il est très 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 chouette à jouer, très très simple mais très très amusant, et donc bah, il a toute sa place du coup dans cette sélection. J'ai terminé cette sélection du coup des 5 jeux de société pour l'automne et l'hiver, et je croise les doigts pour qu'on n'ait pas dépassé l'heure de la vidéo. À mon avis on doit être autour de ça, même si j'ai pas le chrono devant moi. J'espère en tout cas bah, vous avoir fait découvrir au moins un de ces jeux, même si certains sont assez connus. J'espère vous avoir donné envie un minimum d'y jouer. Voilà, sans être rentré en gros voilà, dans les détails, dans les règles, l'explication qui peuvent parfois être assez lourdes. Mais voilà, d'avoir suscité votre intérêt. Peut-être que vous voudrez bah, du coup aller voir telle ou telle règle. Et là, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous bah, expliquent justement en 15-20 minutes les règles de tel jeu, etc. Je vous invite aussi, avant peut-être de les acheter, bah, d'essayer de les tester chez des gens ou de les louer dans des ludothèques ou ce genre de choses. Et pareil, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé l'un ou l'autre de ces jeux, si vous les connaissez, si bah, certains vous intéressent, si à l'inverse vous avez d'autres jeux à me conseiller bah, du coup pour ces deux saisons-ci. Et du coup voilà, j'attends vos réactions évidemment dans les commentaires comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces, ça fait toujours plaisir.
Et évidemment, si vous voulez réagir, que vous ne savez pas spécialement quoi dire, que vous êtes occupé, etc., enfin voilà, dans le rush, vous pouvez toujours laisser un petit emoji, et le plus logique, ce sera un petit jeu, voilà, un petit pion, un petit dé pour les jeux ou ce genre de choses. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Moi ça me change de mes habitudes, je suis un peu plus perturbée, donc j'espère que voilà, ça reste un minimum clair voilà, dans mes explications, dans ce que je vous ai montré ou quoi. Et que cette vidéo vous a plu, parce que oui, c'est pas ce que je fais habituellement. Et d'ici une vidéo qui ressemblera plus à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des bilans ou des choses comme ça, je vous fais plein de bisous, bien évidemment. Salut.